Je suis ce qui est. Mon épée parlera pour moi. Toi, tu n'étais pas maladroit. Mathias. Le salut se trouve vers le soleil couchant. Gardez courage. Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais... C'est gentil. Merci. J'ai faim. Je trouverai bientôt à manger. Je te le promets. Calme-toi.
N'aie pas peur. Doucement. Doucement. Comment va ce cher petit? Il est épuisé. Il est encore sous le choc. Je lui fais peur. Sa sœur est morte. C'est pas de chance. L'abbé dit qu'il n'a plus de famille. Myrtille. Myrtille. Doucement. Calme-toi. Où est Myrtille? Je veux voir ma sœur. Allons, calme-toi. Elle se repose. Tu devrais en faire autant. Myrtille. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Oh... Je m'appelle Fleur de Maïs. Et toi, c'est comment? Mathias. C'est un joli nom. Mathias, enfin. Je suis heureux d'entendre ta voix. Eh bien, Mathias. Bienvenue à l'abbaye de Redwall. Mathias, vous avez dit Mathias. Voyons, voyons, voyons. Oh, je crois bien que c'est lui que nous attendions. Que nous attendions. Mathias. Hein? Mathias. Oh! Martin, mais... Mathias. Mathias. Père Abbé, vous avez entendu ça? Entendu quoi, jeune souriceau? Martin, le guerrier, il m'a parlé. Martin t'a parlé? Oui, il a dit... Mathias... Mathias. Oui, oui, là. Tu ne manques pas d'imagination. Que vais-je bien pouvoir faire de toi maintenant? Eh bien, je veux devenir comme lui, un grand guerrier. Mathias, tu as raison, c'est vrai, Martin était un grand guerrier. Mais vois-tu, c'était une autre époque, il y a très très longtemps. Quand nous l'avons recueilli à l'abbaye, alors qu'il était blessé, Martin le guerrier a posé ses armes à jamais et il a juré de préserver la paix, comme nous le faisons tous ici à Redwall. Allons, mon jeune Mathias, cesse de rêver. Nous avons du travail à faire. Préparez le festin de mon jubilé, hein? Et fais-moi penser de te trouver un habit à ta taille. Oui, Père Abbé. Merci, Père Abbé. Je suis ce qui est. Ne t'énerve pas. Ne vous inquiétez pas, frère Alf. Je le tiens. Oh, je crois bien que ce poisson va te manger tout cru, Mathias. Le jeune Mathias a le courage d'une armée de souris. Mais aucun sens de l'équilibre. Mon Dieu, donc il va se noyer. Je l'ai attrapé. J'ai gagné! Bien joué, grand guerrier des poissons! Ça me va? Ah oui, à merveille. Essaye ces souliers. Merci, Père Abbé. Parfait. Mathias, vous avez presque failli vous noyer, toi et frère Alf, aujourd'hui. Il a le cœur fragile, tu sais, et tu dois respecter les anciens. Oui, je sais, Abbé Mortimer, mais je l'ai attrapé, ce poisson, pour votre festin. Je suis un vrai guerrier. Quand tu es arrivé à l'abbaye, il y a une dizaine d'années, je me suis promis de te traiter comme mon propre fils. Tu comprends cela? Je crois que oui, Père Abbé. Alors maintenant que tu as 13 ans, sois un bon fils de Redwall. Fais-moi plaisir, mon garçon, et oublie tous ces rêves idiots de bataille. Même Martin, ton héros, a caché son épée quand il s'est joint à nous. Je pourrais peut-être la retrouver? Non, Mathias, pas d'épée. Nous vivons une ère de paix, mon enfant, n'oublie jamais ça. Allez, file maintenant, hein, va. Va te rendre utile. Oui, Père Abbé. Et tâche de mériter ma confiance. J'essaierai, c'est promis.
maire de Redwall, habitant du bois moussu, cher visiteur. Puis-je vous présenter en l'honneur de l'abbé Mortimer et grâce à la pêche miraculeuse du frère Alf... Et moi, vous m'oubliez? Mon brochet à la Redwall. Merci, Mathias. Merci à toi, frère Hugo. Et merci à vous tous. Pour tous ceux qui sont présents, fourrure ou plume, griffes ou dents, ta vie tu as donné, poisson d'argent, pour nous offrir ce festin succulent. Amen. Et voilà, velouté de navet à la noix de muscade, et ton plat préféré, Mathias, des crevettes d'eau douce à la crème et aux feuilles de rose. Oh, il va falloir que tu sois plus rapide, Mathias. Marron glacé et tout de maïs cru. Sorbet aux pommes et à la menthe, salade de fruits à l'aubépine. Frère Hugo, je veux que vous me remplissiez un sac de vivres. Ah, vous craignez d'avoir un petit creux, mon père? Ce n'est pas pour moi, Hugo. C'est pour les parents de Fleur de Maïs. Je veux être sûr qu'ils l'emportent chez eux à l'église de Saint-Nignan. Mathias, j'ai un travail pour toi. Tout ce que vous voudrez, père Abbé. Je suis à vos ordres. Voilà le croisement. Nous y sommes presque. Réveille-toi, Fleur de Maïs. Tu es bientôt arrivée. C'est le tonnerre? Hein? Ça, ce n'est pas le tonnerre. Mathias, que se passe-t-il? On va très vite le savoir. Cramponnez-vous bien. En avant! Avec moi, les tailloux! Venez vous cacher. Cet idiot de cheval a loupé l'embranchement. C'est lui. Bonté divine, on dirait que tu as vu un fantôme. Un vrai fantôme, Constance. Nous ferions mieux de retourner à l'abbaye. Mathias! Halte! Toi! Allez, grimpe là-dessus, arrête-moi ce bourrin! On va s'écraser! Debout, tas de larves rampantes! Dents rouges, griffes noires, garde à vous, bande de raclures putrées! Grotte de nez, sang de crapaud! Quoi? Regroupez-moi vos troupes ou je vous arrache le crâne pour m'en faire des bols. Allez au boulot encore. Au nom de l'enfer et de l'empire des morts, où est passé Ombre? Toujours à ton service, oh grand Grigny. Bien. Écoutez-moi, vous allez encore recruter quelques rats des champs, des fouines et des hermines et vous préparer à attaquer la baie. Dents rouges, griffes noires et ombres, suivez-moi. Oui, calmez-vous, calmez-vous. Alors tu dis que c'était des rats, Constance? Et quelle sorte de rats? Mon grand-père a connu un rat de cale. Je dirais qu'ils sont de la même espèce. Et il y en avait une centaine. Oh! Peut-être qu'ils passeront leur chemin? Ils ne nous épargneront pas. Je sais qui ils sont. J'ai déjà eu l'occasion de les rencontrer il y a longtemps. Ce sont ces mêmes rats qui ont attaqué mon village et tué ma famille. Ils vont brûler l'abbaye. Qu'allons-nous faire? Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va les recevoir. Comme ils le méritent. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous ne céderons pas. Je ne veux pas entendre parler de guerre ici.
Le conseil va se retirer pour prendre une décision. Les autres, vous pouvez aller vous recoucher. Mathusalem, frère Alf, venez avec moi. Tu as bien parlé, Mathias. L'heure n'est pas à la faiblesse. C'est lui. Courage, Mathias. Défie ton fantôme. Qui va là? Qui ose s'adresser ainsi au grand club? Nous ne sommes que d'humbles voyageurs cherchant refuge. Vous n'êtes qu'une bande de sales rats de cale. Fichez le camp. Nous ne voulons pas de vous ici à Redwall. Nous ne sommes que quatre. Je veux dire trois. Quel tort pouvons-nous causer? Je souhaite seulement m'entretenir avec le bon abbé et lui parler de paix. Fichez le camp. Je parlerai à tous ceux qui se présenteront en paix devant notre porte. Laissez vos armes à l'extérieur et deux d'entre vous pourront entrer. Il nous faudrait un otage pour assurer le coup, chef. Crétin, tu crois que j'ai peur d'une bande de souris grassouillettes qui agitent des petites cuillères? Griffe noire, viens avec moi. Tu garderas un œil sur ce blaireau. Vous voyez? Aucune arme. Nous venons en paix. Que pouvons-nous faire pour vous? Me remettre votre abbaye, quelle question! Griffe noire, lis à ce gros imbécile mes articles de soumission. Article 1, la soumission doit être totale et immédiate. Article 2, tous vos biens deviennent propriété de Cluny le Fléau. Article 3, les créatures vivantes deviennent esclaves de Cluny. Mathias. Article 4, je suis ce qui est. Je suis celui qui osera. Quiconque osera défier Cluny le fléau devra périr. Maintenant, les rats, écoutez-moi. Vous perdez votre temps. Vous n'aurez rien, vous entendez? Rien du tout. Comment osez-vous, messieurs, entrer en ces lieux en parlant de mort et de soumission? Mais qui est cette souris? Le jeune Mathias? Non, cette souris-là. C'est Martin le guerrier, le fondateur de notre abbaye. Et s'il était là aujourd'hui, il vous réduirait tous en chair à pâté. Assez discuté. Dehors, les rats. Fichez-moi le camp avant que je vous brise le crâne. Je prendrai ma revanche. Vous en avez fait balver, hein, chef? Va me chercher, ombre. Je suis là, mon maître Vénéry. Pourquoi as-tu besoin d'ombre? Tu es le seul à pouvoir gravir ces murs. J'ai besoin de quelque chose. Le portrait d'une souris. Va me le chercher. Maintenant. On verra s'ils sont si forts quand leur précieux héros me servira de bannière. Je sais que ce n'était que mon imagination. Tu ne m'as pas vraiment parlé, Martin. J'ai dû rêver. Je ne suis personne et je n'ai rien. Qui que vous soyez, montrez-vous! Ce n'est que moi. Fleur de maïs? Mathias, n'aie pas honte de verser des larmes. Tu pleures parce que ton cœur est pur et ton âme est noble. Fleur de maïs, c'est lui, regarde. C'est Cluny. Cette tapisserie a été tissée il y a si longtemps. Comment savait-il? Aie confiance en toi. Tu possèdes un grand courage. J'ai vu la tête de Cluny quand tu t'es dressé contre lui. Il avait peur. Il avait peur de moi? Il avait peur de ton âme courageuse. Mathias, je suis fière d'être ton amie.